lips, they tasted like those cigarettes. Staring at the moon, we'd go to bed. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de mars. J'avais essayé, tenté de filmer cette vidéo plusieurs fois déjà. J'en avais un bout. Mais j'ai racheté des livres depuis, donc je me suis dit autant tout refilmer. J'ai été aussi au salon du livre d'Abil faire dédicacer certains de mes livres par Sophie Jomain. Donc voilà. Je vais commencer tout de suite pour pas que ça soit trop long parce qu'il y a quand même. Je les ai pas comptés, hein, mais il y a deux piles. Pas des petites. Donc je viens de mettre Bibou au lit. On va bien voir s'il me laisse finir ou pas. Je m'excuse pour la luminosité, j'essaierai d'améliorer ça au montage si c'est possible. Mais voilà, il refait gris là. J'aimerais bien que mes voisins arrêtent de parler si fort. Enfin, c'est des gens dehors, je crois, en plus. Donc, il y a des achats Emmaüs, des achats Cash Converters. Et des achats donc au salon du livre. Et j'ai deux petits carnets de coloriage aussi à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Alors, à Cash Converters, j'ai trouvé un Harry Potter. Donc Harry Potter et les reliques de la mort aux éditions Gallimard. Donc c'est l'édition que je recherche. Donc de J.K. Rowling. Hein. C'est écrit super gros. C'est cette édition que je voulais. Je voulais pas les petites ou. Non, je voulais pas les folios. Donc voilà, je suis super contente. Faut que j'arrête avec mes cheveux, mais j'ai un cheveu qui me gêne là. Voilà. Donc je suis super contente. Voilà. Pour l'instant, j'ai le numéro 5 dans ma bibliothèque. Donc là, j'ai le numéro 7 et je l'ai eu pour 4€. Et il est en très bon état. Je suis super, super contente. Donc j'espère un jour tomber sur le tome 1. J'espère un jour. Ensuite, j'ai trouvé un Agnès Le Dic, donc juste avant le bonheur. Celui-ci, il me semble que je l'ai déjà sur ma liseuse, mais bon, toujours pas lu. Hein. Donc, d'Alba Michel, et il me semble que c'est un livre qui figure dans un de mes challenges romance, où, il me semble, où j'avais dû le voir dans un des challenges que j'ai dû rater peut-être l'année dernière, mais bon, c'est pas grave. Donc, celui-ci, je l'ai eu à 3€, et il est en parfait état, donc je suis très, 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 très contente. Ensuite, j'ai trouvé un autre Harry Potter, donc Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé, donc le tome 6, et je l'ai lu aussi à 4€ celui-ci. Donc voilà, toujours l'édition Gallimard que je recherche, donc je suis très contente. Si vraiment je galère vraiment à trouver les autres tomes, j'essaierai de regarder sur Momox, mais je pense que je devrais les trouver sur Emmaüs, soit Cash dans les mois à venir, je pense. Voilà, Harry Potter, ça se trouve quand même relativement facilement, mais beaucoup plus en folio, hein, faut pas se le cacher. J'aurais aimé avoir les Bloomsbury, voilà, ils sont juste magnifiques, mais je ne suis pas très douée en VO. Hein. Et les dernières éditions sorties sont juste magnifiques, mais à plus de 20€ de bouquin, non. Non, c'est pas pour moi. Donc voilà. Ensuite, toujours à Cash Converters, j'ai trouvé Comment sauver un vampire amoureux de Beth. Fantasque, je sais pas trop comment ça se dit ce nom, mais voilà, donc je l'ai eu à 2€, vu que j'ai pris plusieurs livres à 2€, j'en ai eu un gratuit, donc je sais pas lequel qui est passé gratuitement. Je sais pas s'ils sont en train de jouer gentiment ou s'ils se font du mal. J'aime pas des gosses qui jouent, c'est des gens qui se frappent en fait. Un mec complètement bourré qui est en train de frapper son ex-femme ou je ne sais pas quoi. C'est sympa le voisinage là. C'est la première fois que ça arrive, mon dieu. Donc, où j'en étais. Ensuite, j'ai trouvé Il était fait pour moi, donc de Rebecca Searle. Il était dans ma wishlist celui-ci. Donc c'est aux éditions Hachette. Je l'ai eu à 2,50€. Donc je suis très très contente. Il est en plutôt bon état. Et je suis super contente. Voilà. Je ne m'attendais pas à trouver un livre si récent, mais j'en trouve de plus en plus. Je suis super contente. Parce qu'il date de quand celui-là? Il n'est pas très 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 vieux, je pense. Il doit être de 2014, 2013 ou
Je sais pas. En tout cas, il était dans ma wishlist et je suis super contente. Alors, ensuite, j'ai trouvé un Sophie Kinsella, donc à 2 €. Les petits secrets d'Emma. Donc, je continue à amasser des Sophie Kinsella. Quand est-ce que je commencerai à les lire? Je ne sais pas. Mais c'est une auteure qui m'intéresse. Donc, voilà. Je sais plus, ça doit faire peut-être le 2, 3e ou plus. Je sais pas. Ensuite, j'ai trouvé Les 100, donc de Cass Morgan aux éditions France Loisirs à 4 €. Il est en très bon état. Il y avait un marque-page dedans. Je crois que c'était celui-là. Enfin, un marque-page, je vous le dis, hein, c'est un petit. Voilà. Il n'avait pas été lu intégralement. C'est écrit super gros. Mais bon, je l'ai déjà lu. Et je le voulais dans ma bibliothèque. Je sais pas pourquoi enfin, ils ont mis. Voilà. Là, c'est la série en couverture, alors que bon, il y a certains personnages qui n'y figurent pas. Enfin, il y a beaucoup de divergences avec la série. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui n'aiment pas. Moi, ça me dérange pas parce que j'arrive à faire la part des choses. Donc, et j'aime bien les deux. Donc, voilà. Je suis contente de l'avoir trouvé. En très bon état en plus. Ensuite, on passe à Emmaüs. J'ai trouvé Une petite entorse à la vérité de Nina Sigal, je sais pas trop comment ça se dit, aux éditions Marabout, collection Girl in the City. Hein? On va. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Je suis fatiguée. Donc, il est pas en super super bon état, mais bon, c'est Emmaüs, donc je ne lis rien. Voilà, je suis très très contente. J'ai dû l'avoir pour 2-3 €. Hein. À chaque fois, Emmaüs, c'est comme ça. Et j'en ai toujours un ou deux gratuits hein, la plupart du temps. Donc, je suis très contente de. Voilà, de trouver des. Ah, là, aussi, j'ai un marque-page. Voilà, je vais l'enlever. Donc, oui. Je sais pas si c'est bon signe ou pas, mais. Je verrai bien. C'est écrit relativement gros. Moi, les livres, je prends. Ensuite, j'ai trouvé un Guillaume Musso, donc Seras-tu là, aux éditions XO Éditions. Là aussi, j'ai un marque-page, et pareil, c'est pas fini, loin de là. Donc, un marque-page Verso, mais bon, il n'y a pas de Verso à la maison, c'est pas grave. C'est pas le premier Musso que j'achète, il me semble, hein. Et je n'ai toujours pas commencé à lire cet auteur, mais voilà, j'en ai sous le coude au cas où. Il peut bien y avoir une guerre ou je ne sais pas quoi, je suis prête là, entre ma liseuse qui est pleine à craquer et ma bibliothèque qui commence à être pleine. Je suis tranquille, j'ai de quoi lire. Alors, ensuite, toujours Emmaüs, j'ai trouvé. Tatiana, inoubliable Tatiana. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai déjà un tome, deux tomes, je me fais, c'est quoi? Je savais pas qu'il y avait trois tomes, je pensais que c'était juste une duologie en fait. Et non, il y a un troisième tome, donc je suis super contente voilà, de l'avoir pris. C'est une brique, comme le premier, donc je suis super contente. Voilà, et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc le premier, il est rouge, le second est violet. Celui-ci est jaune. Voilà. Mais voilà, moi j'enlèverai la jaquette pour quand il sera dans ma bibliothèque, c'est sûr. Je vais pas laisser ça comme ça. Voilà. Donc je suis très 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 contente. J'ai adoré le premier. Il faut vraiment que je me mette au deuxième. Il va vraiment falloir que je finisse mes sagas. Mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais pour ça, il faudra que je la prépare parce que pour le nombre de sagas que j'ai entamées, je l'imagine même pas. Ensuite, j'ai Emmaüs, j'ai trouvé un autre Sophie Kinsella. Donc, très chère Sadie, je sais pas si c'est une saga ou pas. J'ai pas encore regardé. Mais bon. Donc, en très très bon état. Il est un peu plus épais que l'autre. Et voilà. Je continue. Chez Sophie Kinsella. Ensuite, j'ai trouvé Un mec cabot. Donc, c'est le tome 5 du journal d'une princesse. Je sais plus quel tome j'avais trouvé la dernière fois et pas du tout de la même collection. Là, c'est chez Hachette Jeunesse. Donc, là, c'est l'anniversaire d'une princesse.
Donc voilà. Il est en meilleur état que les autres que j'avais trouvé en tout cas. Et ouais, il y a de la couleur. C'est jeunesse quoi. Et je trouve fun à lire. Ça va être fun. Donc voilà, je sais pas combien de tomes il me manque dans cette saga, mais il me doit me manquer pas mal. Donc peut-être que je prendrai les versions e-book pour compléter si je trouve pas le reste d'occasion à Cash ou Emmaüs. D'ici que je la commence, il va se passer des lustres. Ensuite, j'ai trouvé Voisin Voisine d'Angela Behel. Aux éditions J'ai lu, ma frangine l'a bien aimé celui-ci. C'est rare que je trouve des J'ai lu, enfin, de cette collection. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Une petite romance, ma soeur l'a bien aimé, donc pourquoi pas. J'espère que c'est un one shot. Et je suis en train de faire une pile là et une pile devant moi, je vois. Bordélique un jour, bordélique toujours. Ensuite, j'ai trouvé un autre Paulina Simmons. Donc, Le secret de Lily Quinn aux éditions François Zire. Voilà, c'est du Paulina Simmons. J'en voulais d'autres. Et celui-ci, il est comme ceci. J'aime bien les hardbacks, c'est joli hein, dans les bibliothèques. Mais ils en font tellement peu en France maintenant que. Enfin, à part François Zire, on n'en trouve pas beaucoup, hein. Mais c'est tellement plus joli quand même. Bon, genre, donc pareil, j'enlèverai la jaquette. Donc à voir. Ensuite, j'ai trouvé le premier tome d'Éternel. Donc c'est aux éditions Robert. Non, Michel Lafon. Pourquoi j'allais dire Robert Lafon. Non. Michel Lafon. Donc très contente parce que bah, j'ai déjà deux tomes. Dans ma bibliothèque, mais bon, j'avais pas le premier. Donc là, je suis contente, je vais pouvoir commencer la saga, si je veux la commencer. C'est écrit relativement gros. Et, bah, les couves, elles sont toujours aussi jolies. Enfin, j'adore. Cet effet mat et malayant. Mat et satiné. Hein? Non. Enfin, vous m'avez compris. Hein? Donc voilà. Très, très, très contente. Oh. Je sais pas combien de tomes il y a au total dans cette saga. Je sais pas, mais il doit y en avoir beaucoup. Ensuite, toujours à Emmaüs, mais c'est pas le même jour, hein. Je vous rassure. J'ai trouvé Twilight, donc le premier tome Fascination de Stephanie Meyer, mais en adaptation graphique de Young Kim. Celui-ci, je l'ai déjà lu. Je l'avais emprunté à la bibliothèque du temps que j'habitais encore sur Amiens. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, puis là, il est en super bon état. Donc, je suis super contente. Le dernier tome n'est jamais paru. Mais ça serait bien que j'arrive à trouver les deux autres. L'occasion, je vais vous montrer. Vous avez des planches en couleur. Enfin, ça m'avait redonné le goût de m'intéresser à Twilight parce que j'avais vu les films avec mon homme quand ils étaient sortis et j'avais pas accroché plus que ça. Et en les lisant, ça m'a donné envie de revoir les films et ça m'a beaucoup, beaucoup plus plu. Je me suis un petit peu plus mis dedans et j'ai été enchaînée, je crois. Chaque jour, j'en regardais un, je crois. Je me les ai. Oh, j'arrive pas à parler. Hein. Je me les ai enchaînés. Et voilà. Donc, je suis contente de l'avoir trouvé. J'aimerais bien trouver les autres. Mais on verra bien. C'est vraiment de beaux livres. Oh, j'ai vraiment trop du mal. Hein? Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Ensuite. J'ai trouvé Le cueilleur de fraises de Monica Faith. Je pense que ça se dit comme ça, aux éditions Hachette, collection Black Moon. J'en ai plusieurs de cette collection et j'aime plutôt bien, à part le journal d'un vampire. Donc j'espère que ça va le faire avec moi. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. Je n'ai pas trop regardé, donc voilà.
Je me suis dit, c'est une édition que j'aime plutôt. J'avais aimé la saga des lunes. Voilà, il y a les Twilight dans cette collection, donc je me suis dit pourquoi pas. On verra bien. C'est un pavé. Ensuite, pour Bibou, je continue ma petite collection Disney. Donc, je lui ai trouvé Blanche-Neige et les 7 nains. Je lui ai trouvé Dumbo. Winnie, l'ourson et les félins. Et les aventures du petit gourou. Je ne vais rien dire, vous non plus, hein? Voilà. Je sais, il y a du Winnie l'ourson. Ensuite, à Emmaüs, j'ai trouvé un hors-série donc de Wall Season. C'est un hors-série qui n'est pas vendu, qui était offert avec l'achat d'un titre Hugo Roman. Donc, je suis très contente d'en l'avoir trouvé. Donc, c'est le 4.5 donc de Wall Season. Donc, c'est Not Joe Story. Donc, chez Hugo Roman, New Romance. Et voilà, je suis très contente de l'avoir. Il est en très très bon état. Ensuite, à France Loisirs, celui-ci doit dater de janvier-février. Je ne sais plus trop quand je l'ai pris. Je ne sais pas si je ne vous l'avais pas déjà montré. Donc, c'est Peter Pan. Il est toujours sous blister. Donc, c'est pour Doudou. Hein, pour Petit Bibou. Voilà. Donc, ils sont à 9,99, il me semble. Ou, voilà. Et à chaque fois enfin, que j'ai un achat de saison à faire et que je ne sais pas trop quoi prendre ou que je n'ai pas vraiment trop les moyens, je prends ça. Je lui prends ça et ça me fait mon achat de la saison. Donc, voilà. Et je les aime toujours autant. Voilà. On commence à lui en lire un petit peu. S'il comprend rien, on commence. Ensuite, le salon du livre d'Abbeville. Donc, j'ai été voir Sophie Jomain avec plusieurs livres à lui faire dédicacer. Donc, il y en avait pour moi, il y en avait pour ma sœur. Vu que ma soeur vient me voir cet été, j'en ai profité pour en faire signer pour elle. Hein. Donc, je me suis procuré auparavant, donc Quand la nuit devient jour chez France Loisirs, il est à 12,90, il est moins cher que chez Pygmalion, donc voilà. Et j'avais mon achat de saison à faire, il me semble. Donc j'en ai profité, je m'en suis pris un et je me le suis fait dédicacer. À Abbeville, donc sa ville natale, et elle est adorable. Donc il est, c'est pas vraiment le même que chez Pygmalion, hein, clairement. Il est plus épais, il est plus grand, il me semble aussi. Il s'écrit plus gros. Et le devant n'est pas exactement comme l'autre. Mais bon, ça, c'est à quelques petits détails. Et les erreurs qui avaient été faites. Sur la version Pygmalion ont été corrigés. Mais je suis super contente et j'ai hâte de le lire, même si je sais que je vais finir en larmes. Mais voilà, je suis très très contente de continuer ma collectionnite aiguë de Sophie Jomain. J'avais apporté aussi deux tomes de un petit peu merdé, mais c'est pas grave. Normalement c'est les miens. Hein. Mais elle m'en a dédicacé un des deux au nom de ma sœur. Donc voilà, donc ce sera pour ma sœurette. J'aurai plus qu'à me le racheter pour moi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et de toute manière, mon tome 1, parce que là c'est le 2, je l'avais déjà fait dédicacer lors de sa venue sur Amiens. Et elle m'avait fait exactement le même, donc c'est pas grave. Comme sa sœurette, elle l'aura dans son tome 2. Elle sera obligée de se faire la saga complète chez France Loisirs. Voilà. Donc, ensuite, elle m'a dédicacé donc le tome 3 et là, elle l'a bien mis à mon nom. Ça va. Donc, je suis contente. Et il va vraiment falloir que je la termine, celle-ci de saga. Pareil, j'ai lu que le tome 1. Voilà. Et c'est en double tome, donc voilà, je me suis arrêtée. Et je le reprendrai, je ne sais pas quand. Mais moi, j'ai besoin de m'aérer entre deux lectures et finalement je m'aère beaucoup en fait. Va vraiment falloir que je le finisse. Mais voilà, ils sont très très beaux dans cette collection, je trouve. Enfin, moi je préfère. Puis en plus c'est moins cher. La radine, je suis radine, alors.
Mais surtout si j'y allais, c'était pour me procurer donc l'édition des Étoiles de Noce Ed en version illustrée. Donc là, c'est le premier tome, donc Vertige, et il est magnifique. Je l'avais pas encore vu. Je l'ai pas vu nulle part encore sur Amiens. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas été trop en librairie dans Amiens Centre, mais voilà. Hein. La jeune maman, voilà, j'évite de trop sortir avec bébé, c'est pas trop évident. Et moi, dans les librairies, je peux rester des heures. Donc je me suis fait dédicacer. Enfin, ça, celui-ci, c'est celui de ma soeur. Hein. Et on a une jolie illustration de l'illustratrice qui est Marie-Laure Barbet-Granvaux. Donc voilà. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et j'ai eu droit à un petit marque-page. Trop, trop chou. Donc, adorable. En plus, elle avait plus du tout de version. Enfin, voilà. L'éditeur lui en avait donné pas assez pour le salon. Donc, j'y suis allée le dimanche après-midi. Et le samedi, elle avait déjà tout vendu. Les éditions de chez Pygmalion. Donc, elle m'a donné la sienne. Voilà. Elle a été gentille. Elle m'a vendu la sienne. Son mari lui en a rapporté de chez elle, donc c'est super cool. Je suis trop fan. C'est vraiment un objet livre, mais magnifique, magnifique. Je vais peut-être pas feuilleter celui-ci parce que c'est pas le mien. Hein? Voilà, faut pas lui abîmer. Donc moi, je me suis pris le mien. Hein? Donc ils sont à 18,90 et enfin, franchement, ça vaut grave le coup. Un hardback à ce prix-là, avec le travail de fou qu'il y a là-dedans, c'est juste magnifique. Donc moi aussi, j'ai droit à mon petit marque-page, mais le mien, il est cassé. Voilà. Et juste vous montrer. C'est juste magnifique. L'odeur, la texture du papier, cet aspect qu'ont les pages, c'est juste magnifique, 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 magnifique. Et moi aussi, bon, donc j'ai. Voilà. Il est juste. C'est juste ouf. Donc il va falloir que je me relise le tome 1. Et si jamais je viens à lire le tome 1, je pense que je vais retomber. En amour, et voilà, je vais devoir les enchaîner. Donc voilà, les débuts de chapitre, enfin tout le livre est différent, chaque page est différente, et c'est juste waouh! C'est juste trop beau, c'est juste trop beau, trop, 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 trop beau. Donc voilà, là, le 18,90, allez-vous largement, largement, largement. Là, ça me fait pas mal de les mettre, franchement. Ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc je sais pas pour quand est prévue la sortie des prochains tomes, mais enfin, moi je suis in love. Et c'est une couverture soft touch. C'est trop chou. C'est trop, c'est trop, c'est trop. J'adore, 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 j'adore. Donc je suis super contente. Et vous avez le marque-page en tissu. Voilà. Joli marque-page. Bleu. Je voudrais pas abîmer. Puis moi, quand j'essaie d'être soigneuse, je fais plus des bêtises qu'autre chose. C'est ce que je suis en train de faire, je crois, en plus. Non, c'est bon. Donc je suis super contente. Hop, je vais essayer de le ranger comme il était. Voilà. Donc magnifique, magnifique édition. J'adore, j'adore, j'adore. Je voulais en mettre mon marque-page. Voilà. Que je pense pas que j'ai utilisé mon marque-page. Ensuite, niveau coloriage, je me suis procuré deux petits carnets. Donc celui-ci, c'est le carnet, le carré d'art thérapie Disney Bestiaire. Donc moi je les prends au champ, au géant, et voilà, 5,65 € au lieu de 5,95 €. C'est toujours les 5% qui sont quand même relativement intéressants. Donc c'est Disney, c'est toujours très. Et donc là vous avez plusieurs catégories. Voilà. Mais je vais être tentée quand même d'avoir toujours ma page internet derrière pour bien respecter les couleurs, je pense. Enfin,
C'est dans ma tête, hein. J'ai commencé, hein. J'ai commencé au boulot, hein. Ne me tuez pas. Donc voilà, je l'ai à peine commencé celui-ci. Ah, bébé qui se réveille. Je vais me dépêcher. Et je me suis aussi pris celui-ci. Donc c'est la même édition, la même collection. Donc sauf que c'est Babies. Donc que des bébés de chez Disney. C'est trop chou, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et pareil, bah, 5,95, mais bon, il y a toujours les 5%. Celui-là, je l'ai pris à géant, je crois. La vidéo a dû couper à 20 minutes. J'espère que ça n'a pas coupé à un moment fatidique. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je comme une enfant abîmée, perdue dans ses nuits oubliées. Dites-moi comment, vers semblant, je me perds dans la machine du temps. Comme une enfant abîmée, dans un décor inanimé. Dites-moi comment, vers semblant, je me perds dans la machine du temps.